L'agneau ouvrit le cinquième sceau. Et j'aperçus sous l'autel les âmes de ces martyrs. Tués à cause de la parole de Dieu. Tu as fait des miens des martyrs. Et je suis prêt à faire la même chose aux tiens. Mais Dieu nous observe et il nous jugera en fonction des choix qui sont les nôtres. Je t'ai dit que nous vivions dans un monde au bord du précipice où tous les affronts, toutes les injustices, tous nos choix révèlent nos péchés. Et où nous ont-ils menés? Où t'ont-ils mené, toi? Tes amis ont été enlevés et torturés. Et c'est ta faute. De nombreuses personnes ont été tuées et c'est ta faute. Le monde est en feu et c'est ta faute. Ça en valait le coup? Vraiment? Quand te rendras-tu compte que tous les problèmes ne se résolvent pas avec une balle? Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois. Dépose les armes. Emmène tes amis avec toi. Laisse-moi mon troupeau. Et repars en paix. Partir en paix? Non mais vous êtes dingue. Vraiment? On n'aurait jamais dû venir ici de toute façon. Tu sais ce que t'as à faire, petit. N'oublie pas. Dieu te regarde. Ne juge pas. Et tu ne seras point jugé. Ne condamne pas. Et tu ne seras point condamné. Pardonne, et tu seras pardonné. Emmène tes amis, mon enfant. Partez. Allez, on y va. Monte dans le camion. Non, je reste ici. Hudson, monte dans le camion. Vous avez perdu la tête. Monte dans ce putain de camion. Parfois, il faut aussi être capable de s'en aller. Allons-y. Faire ça. Mais on va pas les laisser faire. Moi jusqu'à Missoula.
Là-bas, on chope la garde nationale et on va revenir prendre d'assaut ce putain de pouara. Non, non, pas question. Je refuse de participer. Vous l'avez entendu. Tu vas faire exactement ce que je t'ordonne, Pratt. Ça va pas? Admirateur, je te jure. Parfois, je me dis que Jacob veut juste regarder le monde exploser. Et qui sait comment y arriver ?